5, 4, 3, 2, 1, partez. J'ai 1,40. Ça va faire 2.
Tranquille, Corentin, c'est bien. Hey Corentin! Les Corentin. Allez Corentin, plus tard. Arrose-toi. Ok. Ah, voilà. Bon, on
Allez Corentin, allez. Bonjour. Bonjour. Et là ils ont creusé en un tour. Ah oui il me l'a dit en plus. À 8h. Ça va pour rien du tout. Non, c'est de l'autre. Ah oui, ça me sert. Et voilà. Ah oui. C'est pas en train de faire la chaleur. Allez. Allez Goulen, allez, allez Corentin, c'est bien Corentin. Une minute trente plus tard. Allez Baptiste, allez. Allez Dylan. Et là, c'est le premier peloton. Allez Corentin, c'est bien. Ouais, mais déjà la figure.
trop le premier. Bah oui. Le peloton. Hey, Tony. Attention, il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. C'est super ça. Allez, allez, on y croit, on y croit. Et voilà, à 3 minutes. Ah!
Dégagement de Matisse, la balle est touchée devant quoi le sol avant qu'il y ait un deux contrôle. Ah, tu veux pas faire un contrôle. Et l'autre, il est pour moi, il vient chercher un deux. Bah, fais gaffe, tu fais gaffe en héros. Parce que là, tu fais un petit signe. Ah, mais il était juste devant moi. Allez, Corentin, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez. 17. Une minute plus tard. Une minute plus tard. Et d'un titre de champion de Normandie Open 2 qui va lui tendre et les bras vainqueurs au Mont-de-Cerise. Il avait fait une véritable démonstration de force sur l'épreuve de Pont-Vallin et on va retrouver ce coureur d'ici quelques instants, deuxième à Percy-les-Vignes, et on va pouvoir l'applaudir comme il se doit. Il va lever les bras d'ici quelques instants très vraisemblablement, et derrière ça va être les autres marches du podium. Les U19 avaient tout donné jusqu'au bout et ça va se jouer dans les derniers hectomètres avec toujours, et c'est le retour de Samuel Le Breton, Quentin Girard deuxième, troisième, on retrouve Axel Bouquet, quatrième Stepulo, et notre cher Byron Chevalier qui s'est fait reprendre juste après la flamme rouge et qui termine en cinquième position. Samuel Le Breton, US, Saint-Austre-Robert Pavigny-Barentin, remporte magnifique manière cette course exceptionnelle. Il a été malmené par le WC Bocage-Vuir. Il a été malmené par le WC Bocage-Vuir et Moyon Percy Vélo Club. Il a su tirer son épingle du jeu. Quentin Girard, j'attends bien sûr la confirmation, mais Quentin Girard, deuxième de cette épreuve. Quel sprint, quel finish. Il vient de nous le dire tout à l'heure sur le podium face à ta déception d'il y a une dizaine de jours. Allez, on va pouvoir, alors qu'on salue François Morel sur ce podium, François qui nous accueillera, Léthan Bertrand
Ce sera début juillet, hein, donc pour les championnats de Normandie de l'avenir. Merci François, qui était président de jury donc cet après-midi. Ça va, ça s'est bien passé. Merci pour les infos, on en a eu pléthore. Et ça a permis eh bien, de suivre cette fin de course complètement folle. Quelle on a assisté, une course magnifique. Et on n'aura de cesse de remercier les coureurs de leur combativité. À Comment sur Eure, lui qui avait terminé quatrième également au sommet du Mont de Cerisy dans le cadre du Tour de Ferraglo, troisième du classement général. Il avait donc voilà, terminé cinquième également à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Eh bien, en tout cas, on le retrouvera tout à l'heure lors de la cérémonie protocolaire. C'est Paul Jamet qui termine maintenant, le coureur du VS3. Il avait terminé septième à Noron-la-Poterie. Voilà pour ce quoi, mon cher Arnaud, on a vécu une course d'enfer, hein, dantesque. Merci en tout cas de nous avoir permis de participer à ce magnifique spectacle avec Thomas Aubert qui arrive maintenant, avec également la présence de Baptiste Truffaut qui fait également une excellente saison 2023. Baptiste Truffaut, deuxième d'étape à travers le pays de Louvigné, lui qui avait également été à son avantage à Saint-Saunier sous Avranches. Allez, on retrouve également, il a le sourire, hein, c'est Steve Bulot. Steve qui fait également une belle prestation et qu'on devrait retrouver sur le podium, me semble-t-il d'ailleurs, dans les catégories open. Voilà pour Steve qui aura fait une belle prestation et qui fait un top 5 du classement général. Allez, il y avait la jeunesse, mais il y a également l'expérience, hein, qui était présente. Antoine Mias, la révélation 2022, et donc dans les rangs juniors, maintenant appelé U19, et qui passe devant ce podium. On a également l'arrivée eh bien, du jeune Lucien Bonnemain, lui, qui a terminé dans le top 15 sur le difficile circuit de Percy-les-Villes. On est peu à côté de la route avec notamment le sprint pour les dernières places d'honneur, avec Joris Binet qui en termine, avec également dans ce peloton Baptiste Gaudin. On a également Baptiste Le Bourgeois de Lucetti Val-de-Seul. On a également l'arrivée, eh bien, ici même de Thomas Ponchel du VC Passé 1. Et l'arrivée du coéquipier de celui qui l'emportait tout à l'heure.